à la violence conjugale. Une femme sur cinq a subi la violence physique et sexuelle dans sa vie de couple. Deux femmes sur cinq ont connu la violence psychologique. La violence conjugale nous concerne tous. Elle touche des femmes de tous les milieux, jeunes comme âgées, suisses comme étrangères. Je suis Marie, une femme mariée avec plusieurs enfants. Alors, je suis mariée avec un Européen. Je suis moi-même d'origine africaine et mon mari, il est diplomate. Voilà, je suis en Suisse depuis 6 ans avec mes enfants. Et aujourd'hui, je suis en procédure de séparation et ça dure depuis 1 année. Vous pouvez nous raconter pourquoi vous êtes séparés? Oui, bon, c'est suite à multiples violences conjugales, et que ce soit psychologique, de façon que tu es rabaissée, injurée, insultée devant tes enfants, traitée de tous les noms, ou physique, et violences physiques comme ça, tu reçois des coups gratuitement, et puis morale, naturellement. Vous avez subi ces violences conjugales pendant combien de temps? Je peux dire pendant 14 ans. Pendant 14 ans, et pourquoi vous avez attendu autant pour prendre la décision de vous divorcer? Oui, vous savez, je suis africaine et chez nous, dès que tu t'es engagée, tu dois assumer que ça soit dans le bon et dans le meilleur jusqu'à la fin. Donc, on a un adage qui dit chez nous, ça va aller, chaque jour tu essaies de faire du mieux pour que ça s'arrange, pour que ça aille, mais malheureusement, voilà quoi. Et qu'est-ce qui s'était passé pour que vous avez décidé de quitter les foyers? Oui, c'est quand les enfants sont touchés. Les enfants, à la fin, ne supportaient plus de voir leur maman taper, de voir leur maman injurée, traitée de tous les noms. Et voilà, le grand, il a même fait des tentatives de supprimer sa vie au lieu de subir ça. Est-ce que vous avez trouvé d'autres personnes, d'autres femmes qui sont dans votre situation, dans les milieux diplomatiques? Oui, malheureusement, il y en a trop. Il y en a plusieurs. Et car, bon, j'ai dû finir dans un hôpital psychiatrique. Et là, il y avait plein de femmes qui sont dans les mêmes milieux, qu'on a partagé beaucoup de choses. Mais c'est la triste réalité que, voilà, personne ne peut rien faire pour nous, ces femmes victimes dans ce milieu. Si on appelle la police, hein, s'il y a un acte de violence conjugale, si on appelle la police, ils peuvent faire quelque chose ou pas? La police ne peut rien faire non plus pour vous. Parce que dans mon cas, la police est venue, mais il ne peut pas intervenir parce que c'est territoire extraritorial. Donc voilà, t'es condamné à ton sort, en quelque sorte. Quels sont vos peurs? La peur, c'est l'insécurité. Ici, en Suisse, je me sens en sécurité. Mais hors de Suisse, dans son pays d'origine, qu'est-ce que je vais devenir avec mes enfants? Qu'est-ce que vous avez besoin pour vous en sortir? Aujourd'hui, j'ai besoin d'un travail, d'un appartement, parce que je vous signale que je fais de gauche à droite avec mes enfants qui sont scolarisés, qui vivent dans des conditions pas possibles. Donc j'ai besoin d'un appartement, un travail et un permis de rester en Suisse surtout. Et les institutions suisses ne peuvent pas vous aider parce que votre mari, elle reçoit des revenus assez importants. Voilà, donc je n'ai même pas droit au social, rien du tout. Et voilà quoi, c'est la survie totale. Vous comptez avec qui pour traverser ces chemins difficiles? Avec mes enfants. Vous comptez avec personne? Non, je n'ai pas de famille, je n'ai personne qui me soutienne. Et voilà, je sens le rejet parce qu'on habitait dans un village. Le rejet total, les regards des gens, c'est vraiment, en jugeant sur la version d'une personne, c'est vraiment catastrophique. Et comment est-ce que vous sentez maintenant? Aujourd'hui, on respire du côté qu'on ne subit plus cette violence. Mais de l'autre côté, bon, c'est tous les aspects qui vont avec, qui sont difficiles à traverser. Voilà. T'as retrouvé confiance, vous avez confiance en vous aujourd'hui? Oui, tu perds aujourd'hui, je suis en train de recréer ça. Parce qu'à force qu'on renvoie une image qui n'est pas de toi vers toi, après tu perds complètement confiance en toi. Tu es tous les jours dévalorisé, donc tu perds cette confiance-là. Mais aujourd'hui, je reprends petit à petit confiance en moi. Et aller de l'avant. Mes enfants également.
Et vos enfants vont mieux aujourd'hui que vous avez quitté les foyers? Voilà, beaucoup, beaucoup mieux. Même si les conditions sont difficiles, vous n'avez pas une maison, ils vont mieux. Ils vont mieux, voilà. Quel est votre message aux femmes qui sont dans une situation comme la vôtre? Oui, de ne pas se taire, que ce n'est pas la solution. Ça va aller, ça va faire qu'empirer. Une fois, ça ne va pas, une deuxième fois. Que ça sorte, qu'elles fassent quelque chose avant que ça ne soit trop tard. Trop tard du côté des enfants, parce qu'il y a des enfants qui subissent la plupart des conséquences. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour votre futur. Merci à vous. Ces difficultés empêchent les femmes de quitter les maris. La peur d'affronter seules les responsabilités d'un foyer, souvent elles n'ont pas confiance en elles ou elles ne savent pas où y aller. Pour les femmes étrangères, on ajoute une peur de plus, la possibilité de perdre leur premier séjour. Pour cela, il est important de les informer sur les réseaux qui s'occupent des femmes victimes de la violence, pour chercher des solutions et s'en sortir. Que doit faire une femme pour que la violence soit reconnue et sanctionnée? Alors, elle doit récolter des plaintes. Nous, ce qu'on conseille, en tout cas, s'il y a eu des scènes de violence physique, c'est de consulter l'unité de médecine des violences au CHUV, qui est à la PAMU. Donc, il y a toutes les garanties pour que le conjoint qui voudrait suivre madame ne sache pas qu'elle va dans ce service-là. C'est un service gratuit, il n'y a pas de facturation pour protéger la victime. Et ça, c'est très important parce que c'est important de faire un constat le plus vite possible. Et il peut être utile un jour. Donc, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas ou qui sont encore dans des processus de violence trop importants pour vouloir le faire. Mais ça, c'est hyper important parce qu'il peut être laissé sur place et puis ça va nous aider, que ce soit dans une plainte pénale ou dans la défense du permis. C'est hyper important. Est-ce que les femmes victimes de la violence qui veulent quitter leur mari, elle risque de perdre son permis de séjour en cas de divorce ou de séparation? Oui, alors là, on parle des femmes qui ont obtenu un permis B pour vivre auprès de leur conjoint. Donc, c'est inscrit dans leur permis, ça, c'est important de signifier. Et il y a un risque, en effet, pour ces femmes-là, puisque c'est un permis causal. Il est lié à la cause de la venue en Suisse. C'est-à-dire qu'elles doivent rester avec le mari pour continuer à bénéficier de cette autorisation. Il peut y avoir une exception, c'est inscrit dans la loi, dans le cas où justement il y a de la violence conjugale avérée, mais qui doit être prouvée par des constats de coups et blessures, une plainte pénale ou différentes preuves assez importantes. Il faut non seulement pouvoir prouver la violence, mais aussi que le renvoi dans le pays d'origine, la réintégration dans le pays d'origine paraît fortement compromise pour cette femme. Donc ça, c'est un point qui peut être difficile à remplir parce qu'il ne suffit pas de venir d'un pays où il y a beaucoup de chômage, où le pays est pauvre, par exemple, pour que la police des étrangers, notamment les autorités fédérales, considèrent que la réintégration dans le pays d'origine va être difficile. Il faut bien plus que ça. Je suis en Suisse depuis 7 ans et puis je suis séparée. Vous pourriez nous raconter pourquoi est-ce que vous êtes séparée? Je suis séparée parce que je suis victime de violences conjugales. Et mon mari, il me battait tout le temps, il ne me laissait pas sortir. J'étais enfermée à la maison, puis j'avais pas droit de sortir, j'avais pas droit de travailler, j'avais droit de rien. Pour combien de temps vous avez supporté cette situation? Alors, pendant 7 ans. Pendant 7 ans? Oui. Et quelle était votre peur? Pourquoi est-ce que vous ne savez pas laisser votre mari? Au début, je l'aimais, j'étais amoureuse de lui. Après, j'attendais qu'il changeait. Et après, j'avais peur de lui, qu'il va me tuer, qu'il me menaçait de me tuer. Il vous menaçait, vous et vos enfants? Oui. Il est arrivé jusqu'à où? Il me battait tout le temps et puis il me disait que si tu me quittes ou si tu pars, je te prends tes enfants, ce sont mes enfants, et après tu quittes la Suisse. Par rapport aux enfants,
et qui a la priorité d'avoir la garde des enfants. Donc ça, c'est important de dire que c'est les femmes en Suisse qui obtiennent la garde des enfants. Dans la majorité des cas, c'est rarissime que la garde soit donnée au père. Donc, bien sûr, les conjoints violents utilisent ça en disant « de toute manière, tu es en Suisse pour vivre avec moi, c'est moi qui aurai les enfants, tu vas être renvoyé sans les enfants dans le pays d'origine ». Ça, c'est complètement faux. Donc, c'est une fausse rumeur, c'est important de dire ça, ça n'arrive pas. Par contre, elle peut être renvoyée, même si elle a un enfant suisse, de Suisse avec ses enfants. Donc, ça pose des problèmes de droit de garde pour le père. Mais ça, il y a beaucoup de situations où justement la vie commune n'a pas assez duré, il n'y a pas les moyens financiers pour madame de rester, des fois des pères désinvestis, donc il y a des renvois de femmes avec des enfants dans leur pays d'origine, et même si les enfants sont suisses. Après combien de temps vous êtes séparés? Ça fait une année. Ça fait une année? Oui. Et vous êtes dans les processus de renouvellement des permis? Oui, grâce à la fraternité, je suis en attente de renouvellement de permis B. Le service de la population cantonale, ils ont donné son accord, ils ont dit oui, mais on attend toujours la décision de Berne. Une fois séparés, vous avez trouvé un travail? C'était facile de trouver un travail après votre séparation? C'est très dur de trouver un travail si on n'a pas le permis. J'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup, beaucoup plus. Je suis inscrite au RP comme une demandeuse de travail. J'étais partout, je me suis battue tous les jours et à la fin j'ai trouvé le boulot, le travail. Quelles étaient les difficultés pour trouver un travail? C'était les permis séjour ou... Oui, le permis séjour. C'est ce qu'elles partagent avec nous comme peur. C'est plutôt la peur de perdre leur statut, de perdre leur permis de séjour, de devoir demander une aide, une assistance sociale qui les pénalise dans le maintien de leur permis de séjour. C'est plutôt cette grande peur qu'on ressent chez elles, qui donne une grande urgence à leur démarche pour trouver du travail rapidement, même quand elles sont dans une situation de fragilité. La mise en place d'une intégration professionnelle passe par le maintien ou l'obtention d'un permis de séjour. Si celui-ci est venu à échéance au moment où la femme a demandé une séparation et que son statut et son droit de séjour est remis en question, c'est très très difficile de pouvoir avancer dans une intégration professionnelle parce que le patron pourra engager la personne uniquement si elle dispose d'un permis. L'intégration est difficile à remplir pour une femme victime de violences conjugales pour la raison qu'une des formes de violences conjugales très répandues est la restriction de liberté, elle est contrainte. Donc on rencontre beaucoup de femmes qui ont été empêchées d'apprendre la langue, de prendre des cours de français ou de travailler par le conjoint. Le mari leur a interdit clairement de sortir très souvent. Donc bien sûr, elles n'ont pas pu apprendre la langue et s'intégrer au niveau de l'emploi. Donc c'est une contradiction. Il faudrait que ces personnes, une fois séparées, puissent avoir suffisamment de temps pour se remettre, se soigner, affronter les traumatismes pour pouvoir bénéficier, après apprendre la langue et trouver un emploi. Et ça, c'est pas du tout possible dans la loi actuelle. Une personne qui est confrontée à des problèmes de violence, elle a des tas de choses à côté. Elle n'a pas que l'insertion professionnelle à laquelle elle doit faire face. Elle a souvent des rendez-vous au niveau juridique. Elle doit se trouver un nouvel appartement. Si elle décide de quitter l'appartement où elle était, parce que maintenant, elle a aussi des droits pour rester dans l'appartement, mais il y a des fois où elle choisit de partir parce que c'est trop de mauvais souvenirs. Donc, il y a des tas de choses en périphérie. Et si en plus, il y a cette angoisse de la perte du permis, c'est vraiment des éléments qui sont extrêmement stresseurs et qui peuvent empêcher un processus naturel de se faire, d'aller de l'avant pour chercher du travail. C'est un facteur qui est très perturbateur et sur lequel on n'a ni les uns ni les autres, on a un impact. Moi, je rajouterais aussi que suivant le pays d'origine, le fait de perdre ce permis de séjour est encore beaucoup plus stressant dans le sens que si elles doivent retourner dans leur pays, elles se retrouvent elle se retrouve face à toute une société qui va la rejeter, la famille aussi va la rejeter.
Donc pour elle, c'est quasi impossible de pouvoir retourner dans son pays. Donc c'est presque de la survie en même temps de pouvoir rester en Suisse. Moi, je viens de témoigner parce que je ne supporte pas que les femmes soient battues comme ça. Ça me fait mal au cœur et j'appelle toutes les femmes qu'il faut avoir beaucoup de courage, mais il faut qu'elles se battent tous les jours pour ses enfants parce que la violence, c'est insupportable. Et puis, je suis révoltée de ce phénomène-là. Et puis, j'appelle toutes les femmes qu'elles fassent tout ce qui est possible pour sauver leur vie et puis la vie de ses enfants aussi. Merci beaucoup. Les prestations du centre d'accueil sont les suivantes. Il y a l'hébergement, donc pour toute femme victime de violences conjugales, les consultations ambulatoires à Lausanne, mais aussi dans les différentes régions du canton de Vaud. Donc il y a itinérance, donc on a des consultations à Baie, Lausanne, Yverdon, Montreux et Nyon. Et les rendez-vous se prennent en appelant le centre d'accueil Malais-Prairies pour ces régions-là. On a aussi des entretiens de couple, donc pour les couples qui vivent la violence conjugale, et ils peuvent faire une demande pour avoir des consultations ici au centre d'accueil. Et aussi, on fait la répondance pour le site Violence que faire, donc c'est un site roman qui s'occupe de la violence conjugale. C'est une vie semi-communautaire, c'est-à-dire que chaque femme réside dans un studio qui est privé, privatif. Elle peut éventuellement le partager avec une autre femme si elle vient ici sans enfant, mais pour les femmes qui ont des enfants, la famille va vivre dans le studio qui est privé. Par contre, pour tout ce qui est les espaces communs qui sont le salon ou la cuisine, ce sont des espaces semi-communautaires qu'elle va partager avec les autres femmes de l'étage. Elles devront s'arranger pour vivre ensemble dans cet étage-là et nous, on va faire aussi un travail pour que la vie dans cet étage puisse se dérouler sans difficulté. Le centre d'accueil est ouvert 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Donc on accueille les femmes en urgence, donc elles peuvent venir à n'importe quel moment donc de la journée. Il y a toujours quelqu'un dans la maison, soit l'équipe des intervenants ou des veilleurs le soir. En complément, c'est un centre qui est pour les femmes victimes de violences conjugales et familiales. Toutes les femmes qui sont domiciliées dans le canton de Vaud ont le droit de venir ici, quel que soit leur statut. Leur statut va peut-être modifier la longueur du séjour, mais toutes les femmes qui sont ici sur le canton de Vaud peuvent venir. Avec leurs enfants. Avec leurs enfants. Il y a toute une équipe déjà qui s'occupe des enfants aussi. D'une part, pour soutenir la mère dans ses compétences de mère. Ce qu'on observe, c'est qu'elles sont moins disponibles pour les enfants dans ce contexte de violence. Donc, on essaie de trouver de l'aide pour qu'elles puissent reprendre son rôle de maman comme elles le souhaitent. Donc ça peut être justement aider pour faire un changement d'école, ça peut être trouver une place de garderie. Ensuite, il y a des socio-éducatrices qui proposent des activités avec les enfants pour qu'ils puissent avoir une vie d'enfant. Alors le séjour est pris en charge par le service de prévoyance et d'aide sociale, donc par le canton de Vaud. Bien sûr, pour les femmes qui ont un revenu, on demande une participation. Donc on fait un budget et puis on voit dans quelle mesure elles peuvent participer au séjour. Autrement, pour les autres qui n'ont pas de revenu, ça reste une dette sociale. Actuellement, il y a, je sais pas combien, 65% de femmes étrangères. C'est vrai que on peut dire que c'est pas qu'il y a plus de femmes étrangères qui sont victimes de violences conjugales, mais peut-être elles ont moins de ressources au niveau social, moins de moyens pour trouver des solutions à l'extérieur. De séparer, il y a beaucoup de conséquences à la séparation, surtout pour des femmes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas encore de travail, qui ne connaissent pas très bien le fonctionnement de ce pays.
qui ne connaissent pas la langue, c'est beaucoup plus difficile pour elles d'affronter une séparation. On va essayer d'éclairer au maximum dans ses choix, en lui donnant des informations par rapport à ses droits, par rapport à ses possibilités, par rapport aux risques qu'elle peut aussi subir, et de façon à ce qu'elle puisse faire un choix le plus éclairé possible. Et aussi par rapport à ses responsabilités par rapport aux enfants, la sécurité des enfants. Elle aussi, elle est responsable. Le fait de parler de la violence, voilà. comme on le fait dans les médias, par les différentes informations qu'on reçoit, de faire une journée spécifique par rapport à la violence, ça sensibilise tout en chacun, tous les citoyens par rapport à la violence. C'est une forme de reconnaissance, c'est aussi une façon d'agir. C'est-à-dire que du moment où on sait que ça existe autour de nous, que beaucoup de femmes sont touchées par ça, on peut réagir plus facilement aussi, et le reconnaître et réagir. Et on sait que pour réagir, il y a des instances, il y a des services pour ça, comme la police, le centre La Vie, le centre Malais-Prairie. L'APCA, c'est avant tout la défense d'un patrimoine artistique arabo-oriental que j'estime, j'estime que ce patrimoine est en train de disparaître dans les pays d'origine suite à de multiples influences, suite à des situations qui ne sont pas forcément faciles dans ces régions. Donc c'est vrai que l'association ne programme pas des répertoires traditionnels. On a le souci de donner une visibilité à des artistes que j'appelle contemporains, mais qui s'inspirent de la tradition pour créer. Donc ce sont des répertoires classiques, en tout cas pour ce qui est de la musique, mais ce sont des artistes qui créent. Et ça, c'est une innovation en fait. Et c'est vrai que mon public maintenant réalise la particularité de nos programmations. Soyons attentifs et agissons contre la violence conjugale. Pour trouver plus d'informations, visitez-nous sur nos sites internet www.alavista.tv.
www.lesuivantes.net. Merci de nous avoir suivis et n'oublie pas notre rendez-vous mensuel. À la prochaine et à la vista. Bien vous-même, qu'est-ce que vous avez besoin pour vous-même, pour vous construire encore, pour vous confiance en vous? La vie normale, la vie sans coups, la vie sans injures, la vie normale, je ne demande pas beaucoup.